Messieurs, dames, bonjour. Aujourd'hui, je vais vous présenter un couteau, c'est le Coq français. Donc, c'est un modèle Virol Lock. Donc, rien de spécifique, si on peut dire. C'est une copie plus ou moins de Pinel numéro 8. Donc, je vais vous donner ses spécificités quand même. La lame, c'est de l'acier inoxydable, c'est du Z40 C13. Le manche est en chêne ou en olivier selon la demande bien sûr, et la virole est en inox. Donc ces mensurations, c'est la longueur totale 196 mm, la longueur du manche 110 mm, la longueur de la lame 85 mm et poids de 46 grammes. Par contre, la spécificité, c'est que c'est une sorte de liner lock, que j'appelle ça. J'appelle ça un liner sur le talon de la lame. C'est-à-dire que le système de fermeture est sur la lame. C'est grossièrement un peu un ressort qui est monté sur la lame et qui bloque la lame. Le système est pas trop mal. L'avantage est original au moins. Bon, après, est-ce que c'est vraiment une révolution Est-ce que c'est vraiment pratique? Bon, je doute parce qu'en s'en servant, on peut peut-être appuyer dessus. Bon, des choses comme ça. Hein. Donc, par contre, moi, le défaut que je trouve, bon, je pense que ceux qui me connaissent vont le deviner, bah, c'est les trous, c'est ce que j'appelle un ramasse pâté, quoi. Donc, joli couteau, mais à utiliser, à mon avis, ça risque d'être un peu chiant à nettoyer, quoi, si on peut dire. Autrement, bon, bah, c'est une bonne qualité, hein. Bon, il vaut une vingtaine d'euros. Je l'ai acheté sur le. Chez la coutelle Ribertier. Donc, vraiment, un bon couteau. Pour ceux qui ont le courage de me nettoyer au cure-dent, quoi, bah, je le conseille. Hein. Je n'ai rien d'autre à vous dire de plus. Hein. Bonne journée. Au revoir. Merci à vous.